Tu reçois quel genre de message sur Instagram? Parce que les rappeurs, en général, ils reçoivent des nudes. Toi, j'imagine que tu reçois autre chose, non? Je reçois des nudes. Ah, toi aussi, comme les Ouais, rappeurs, je normal. reçois des nudes. Des copines des rappeurs aussi. Je reçois les nudes des copines des rappeurs aussi. D'accord, ok. Voilà. Bon, Comme c'est ça, bien. je le dis. Et tu reçois des messages de filles, qu'est-ce qu'elles te disent? Et les filles, elles sont trop mignonnes. Elles m'envoient parfois des longs discours. Qu'elles sont contentes de comment je les représente. Elles se sentent représentées. Enfin, je reçois beaucoup de messages de femmes qui m'encouragent. Et puis des meufs qui veulent me gérer aussi. C'est Aussi, important elles de veulent le sortir dire. avec toi, c'est ça que tu veux Oui, dire? ouais. Et après, il y a des mecs Et comment tu qui sont. les... Stop. Ben, je les stoppe pas en fait. Je réponds pas à tout. Tu Hein. les laisses en vue. Ouais, je les laisse en vue. Je les laisse D'accord. en vue. Ok. Parlons d'une star américaine avec qui tu as fricoté. Dans les derniers épisodes, une question t'a été posée sur un écran. C'était d'ailleurs une révélation à laquelle tu devais répondre. Alors l'intitulé, si je me souviens bien, c'est J'ai couché le premier soir avec une star américaine. Oui, exactement. Donc, Alors, qui est cette star américaine? C'est bien Wiz Khalifa. oui, c'est Wiz Khalifa. Non mais je hurle, c'est sûr que c'est quand même beaucoup plus bankable que Julien. Ouais, c'est surtout plus mon style et c'est plus bronzé que Julien. Ah oui. Alors dans ce Niska, il dit quoi? Il dit elle me fait ses crises, elle veut que je vienne jusqu'à Bruxelles. Ça, c'est le genre de punchline qui vont alimenter toutes les rumeurs. Ouais, Ouais, je me beaucoup. suis dit, vous le faites exprès, vous jouez avec ça? Ou c'est pas fait Après, c'est exprès? lui ça. C'est lui qui a écrit. Moi, j'ai pas Ah bah écrit oui, mais pour t'es lui. quand même dans le studio, tu valides, Moi, j'ai écouté j'imagine. comme tout le monde. Tu J'ai dois écouté, j'ai dit, rigoler ah quand t'entends ça. ouais. Et ouais, ça m'a fait Ça vous rire. fait Ça rigoler, m'a vous fait dites, tiens, rire. on va jouer avec le public. Je sais pas. Tu crois? Bah j'imagine. Voilà. Après, on pense que elle me fait ses crises, elle veut que je vienne jusqu'à Bruxelles. Ouais, mais c'est dans le concept d'un morceau, tu vois. C'est comme si un peu. D'accord. C'est passé comment cette histoire, Wiz Khalifa? Comment on en vient comme ça à se retrouver dans son lit? Alors en fait, il était venu à Genève pour faire un concert. Et donc j'étais en boîte et il y a un mec qui est venu vers moi et qui m'a dit, il y a Wiz Khalifa qui est à Genève, là, est-ce que tu veux le voir? Ah bah là, tu t'es tout de suite dit, oui, des dollars dans les yeux, je fonce. Non, mais au départ, j'y ai pas cru parce que c'était pas le soir où il devait faire son concert, c'était en boîte la veille. Et du coup, je me suis dit, quoi? Et j'ai dit, ok, viens, on y va. Et du coup, il m'a emmenée, j'étais avec une pote à moi, et on y a été, et là, donc je rentre dans la chambre. Ah mais ah oui, direct dans la chambre. Et du coup, je suis rentrée dans la chambre avec lui et tout. Il y avait tous ses potes, tout son staff, donc j'ai fumé un joint avec lui et tout. Ah ouais, nos pressions, elles balancent tout, ok, d'accord. Bah oui, mais Wiz Khalifa, il est connu pour ça en même temps. Donc voilà, j'ai fumé un joint avec lui et tout. Il m'a dit que demain, il avait un concert. Est-ce que je voulais venir? Et j'ai dit, ok, donc je viens demain. Et donc là, je suis partie. Donc il ne s'est rien passé ce soir-là. Et le lendemain, bah, j'étais à son concert. Après, je suis rentrée à l'hôtel, j'ai mangé. Et après, ben voilà, j'ai atterri dans son lit. Bon, ça va, c'est pas le premier soir, c'est le deuxième. Ça va, donc C'est voilà. à peu près excusable. C'est excusable. Vous bougez la tête, je vois. Quelle horreur. Ça donne envie. Ah, les petits doigts, oui, il a dit. Bah, c'était ça, c'est plus gênant. Petits doigts dans la chatte, ouais. Ça passe pas? Pas du tout. Encore moins, c'est un enfant. Hamza est un enfant. C'est pas vulgaire. Ça dépend comment c'est dit et ça dépend de quelle phrase c'est interprété. Voilà. C'est très, très, très choquant. Honnêtement, c'est une honte. Verre de vodka dans la bouche, reste de vodka dans la douche. T'es la deuxième que je ken sur le même drap. J'écris sans t'aime car je ne t'aime pas. Après l'orgasme, je prends plus son. Ça va? Ouais. C'était un moment très intense. Je ne sais pas avec qui j'écouterai ça. Mais. Ah, à vous de me dire. J'écouterai pas ça avec tes enfants. Les paroles, elles sont assez crues, vulgaires. En plus, moi, je déteste les gros mots. Ah Je merde. déteste les gros mots. Putain, on est tombé. Merde. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va, j'aime bien. Personnellement, donc moi ça me dérange pas. C'est un personnage qu'il prend pour pouvoir chanter en fait. Je pense pas qu'il pense réellement ça des femmes parce que je pense qu'il a des sœurs et qu'il a une mère, donc. Alors est-ce que c'était un bon coup? Alors franchement, il avait il était très très proportionné, on va dire. C'était abusé. C'est-à-dire? C'était grand comme ça. Ah oui, d'accord, il est très bien monté. Non mais c'est pas normal, c'est pas humain, Ah merde. c'est abusé. C'était une troisième jambe. Ah ouais, carrément.
Ah ouais, c'était énorme, j'étais vraiment trop choquée et... Tu avais peur d'être transpercée. Ah mais embrochée là, carrément. Non mais j'avais trop peur et au final, c'était un peu dur au début, mais on s'y fait. Alors, une note sur 20 à cette nuit d'amour, la prestation, tu mettrais combien sur 20? Ah mais la prestation, mais ça faisait trop mal. La prestation, c'était, je dirais, 13, parce que finalement, c'était abusé, tu vois. Trop douloureux, ouais, du coup, ça enlève un peu de plaisir. Ouais, c'était too much. On m'a pas mise au monde pour m'enfermer dans une case. Indépendante, j'ai dû scier par de la cage. C'est juste que maintenant, j'ai le souvenir de co-balader, tu vois, genre, ce qu'il a dit. Il est trop bête. T'écoutes ça, toi? Tu as prétendu avoir eu des relations avec des rappeurs. Mais attention, pas n'importe quel rappeur, des carrés, mais des carrés archi lourds, tu vois. Donc, il y a apparemment Wiz Khalifa, Kid Ink, il y a Lil Durk, ouais. Lil Yachty. Mm-hmm. Et après, il y a Swahili. Celui de Rush Your Mouth. Et Swahili. Donc, raconte-nous. Alors, Wiz Khalifa, bon, on a... cru comprendre que c'était très intense et très... Très grand. Très grand. J'ai One Night. Ils répondent beaucoup sur les messages Instagram, les rappeurs, tout ça. À part lui, t'en as déjà eu ce biais-là? Et bah franchement, même s'ils ont des millions d'abonnés, tout ça, et bah en général, ils répondent tous. Enfin moi, à chaque fois que j'ai parlé à quelqu'un, j'ai toujours une réponse. Featuring qui n'est pas forcément présent sur l'album, mais avec qui t'as un artiste avec qui t'as déjà... collaborer. Jules, c'est un artiste, je l'aime trop. Déjà de base, quand le feat il est sorti, c'est au moment où moi je faisais plus rien en fait. Enfin, j'étais dans un silence au niveau des réseaux, des médias, des sorties de musique et tout. Mais c'est un artiste, je l'aime trop en fait. Tu vois. Donc j'ai dit, je veux le faire. Après, ça s'est fait chacun de son côté. On s'est envoyé les couplets, il me renvoyait les trucs et tout. Il était assez réactif, donc c'était frais. Et franchement, humainement parlant, Jules, je crois que c'est la plus belle personne que j'ai rencontrée dans ma vie, quoi. C'est un mec, il est vraiment gentil, il est vraiment passionné. Tu avais une note à donner à chacun sur 10, ça serait quoi? Alors Wiz Khalifa, bon, comme tu as dit, t'as embroché. C'était moi. Hein. Ouais, alors lui, je dirais 7, voilà, ouais. 7. Kid Ink et Lil Yachty, c'était de la merde. Alors, je leur mettrai 4 ou 5 pour être gentil, pour qu'ils aient la moyenne. Lil Durk, on va dire 6, ça va. Et Swahili, il est pas mal. Hein. Donc je lui mettrai 8. Kid Ink, ça me surprend parce qu'il est vachement sexy, non? Alors, il est trop beau, il chante trop bien. Mais comme quoi, on peut pas tout avoir parce que Oli, 0. En fait, il a une tout petite. Du coup, j'étais grave choquée parce que dans une musique, c'est genre bad bitches on my dick, mais en fait, voilà quoi. Et après le personnage et tout, et puis on s'est rencontrés après avoir fait le featuring. Mm. Et vraiment, c'est un mec de fou. Mm. Humainement parlant, c'est un mec de ouf. Mm. Il est trop gentil, il est trop là, il est humble. Alors que voilà, il vend grave des CD, il est... Enfin, tu vois, c'est quelqu'un, Jul. Mon crush, c'est quoi mon crush? Ah, beau garçon et tout. Skip. Wow. C'est de l'art. Bande de putain, bande de putain, cul de pute. Alors, est-ce que ça vous plaît? Pas vraiment. Mais pourquoi? Clairement, ça c'est un son que j'aurais jamais dans mon téléphone. Peut-être par accident? Ah non, du tout. Je me demande combien de temps il a passé à écrire ses textes. Vraiment, vraiment très recherché, très profond, poussé, extrêmement profond. Peut-être que les femmes sadomaso vont aimer le titre. Oh, ça fait du bien quand même de se relâcher. Oh, vous-même, vous dites des gros mots. Ah, pas du tout. Vous coincez l'orteil dans la porte, vous dites... Je dis aïe, je dis oh là là, enfin je sais pas. Mais... Flûte? Non, pas flûte.